Ladies and gentlemen, petits et grands enfants, pour la première fois en France, au cinéma de Clapier, et en espérant que ce ne sera pas la dernière, voici Elvira! Bonjour mes lapineux. Oui, comme vous pouvez voir, je ne suis pas vraiment Elvira. Oh. Non, je suis sa cousine française très éloignée, Cantada. Je la remplace au pied levé. Et oui, la pauvre, elle n'a pas pu venir. Problème de ton. Bah, elle a quand même 66 ans, la vieille bique, hein. Du coup, je la remplace. Et pour se faire pardonner, elle nous a envoyé une petite vidéo d'un de ses spectacles entrecoupés de scènes que je vous invite à voir maintenant. Bon spectacle! Stéphanie et Vincent. Vous êtes chaud
Maîtresse, Dora. Merci, Blitz.
c'est pas du sang de vierge. Oui, alors trouver le sang de vierge dans milieu cinéma pas couché producteur, un peu difficile. Donc, pas exagéré non plus, maîtresse. Oui, alors, vous préfériez peut-être quelque chose de plus light comme dans les années 80, à l'époque où je servais Madame Elvira. Ah, racontez-moi quelque chose à propos d'elle. Ah, Madame Elvira est née en tout début des années 50, mais son premier rôle n'a pas été vraiment dans ce film que vous allez voir datant de 1988. Non, son premier rôle non crédité, dans générique, a été dans Diamonds Are Forever. Wow. Yes. Car elle a joué petite danseuse dans Diamonds Are Forever. Et donc elle a fait plusieurs petites figurations après avoir donc fait film. Et en 1988, avoir fait Elvira, maîtresse des ténèbres. Film ayant coûté 7,5 millions de dollars, ayant rapporté somme de 5 millions. Donc ça a été une grosse bide. C'est un bout. Merci bien nourrir moi. Et ce film, pas du tout marché, mais est devenu statique au fur et à mesure. Merci VHS, merci vidéo, merci Laserdisc, merci bientôt Blu-ray. Enfin, il existe une suite d'Elvira, fait en début 2000. Voilà. Et le réalisateur de ce film, donc, qui en fait est un spécialiste du Saturday Night Fever, faire beaucoup, beaucoup de sketchs. Après ce film, il a fait série télé en 1993. Et plus rien. Quoi. Donc, nous allons voir ce film, vous allez juger pour vous-même et tout. Résiste à voir nos bonnes copies, je crois. D'accord. Ça participe au charme du film. Nous vous conseillons donc de prendre bien place. Et nous vous souhaitons une bonne projection. Oui. Wow. Projection.